Grande favorite hein, de la Ligue des champions féminines ou encore de la Ligue des championnes, oui, parce qu'on dit les deux, hein, messieurs, dames. Eh bien, les Lyonnaises ont remporté 6 fois la prestigieuse compétition européenne et sont d'ailleurs tenantes du titre. Qui peut stopper Lyon? Élément vidéo. Boli dans l'axe, Marcel Desailly au second poteau. Et but! But de Boli! But de Basile Boli sur ce corner! Dans l'histoire du football français chez les hommes, seul l'Olympique de Marseille a remporté la Ligue des Champions, c'était en 1993. Depuis, plus rien. Pourtant, la réalité chez les femmes est bien différente. L'Olympique lyonnais domine le football européen depuis bientôt une décennie. Les filles du président Jean-Michel Aulas ont disputé 8 finales de Ligue des Champions et remporté 6 dans les 4 dernières éditions. Si la suprématie de l'OL chez les femmes est constante, c'est en partie grâce à son président. Fondateur de la section féminine en 2004, il a doté sur plusieurs années d'un nouveau modèle économique assurant la solidité d'OL Group, la holding qui s'occupe de la gestion du club. Inspiré notamment des exemples anglais et allemands, ce nouveau OL repose sur 2 piliers. Un grand stade, exploité en direct, et un centre de formation offrant la possibilité d'alimenter l'équipe première et de réaliser de juteux transferts. Installé sur un solide socle, l'OL a pu aussi dynamiser sa politique commerciale et amorcer son internationalisation. Portée par des joueuses telles que Wendy Renard, Eugénie Le Sommet ou Nikita Paris, les Lyonnaises, décidément habituées aux grands rendez-vous, ont comporté leur billet pour la finale de l'actuelle édition de la Ligue des Championnes. Elles affrontent ce dimanche Wolfsburg, un adversaire qu'elles ont déjà battu à ce même stade de la compétition en 2016 et 2018. Qui peut arrêter le gang des Lyonnaises? Lyonnais version féminine, elles sont fortes ces dames. Hein. Oui, avec un gros palmarès, figure-toi Tia que Lyon a remporté 6 fois la Ligue des Champions, dont 3 Ligues des Champions consécutives. C'est une équipe splendide avec de très bonnes joueuses. Eugénie Le Sommer, surtout Delphine Cascarino, ça c'est mon coup de cœur, décrit comme la Kylian Mbappé du football français. Kylian Mbappé au féminin. Kylian Mbappé. Bien sûr, de par sa vitesse, de par sa technicité, son efficacité à éliminer son vis-à-vis. Donc c'est une équipe redoutable, les Lyonnaises. Et elles semblent être favorites pour remporter encore une Ligue des Champions. D'accord. On va voir un petit peu hein, le palmarès justement de l'Olympique Lyonnais version dame avec d'Angeles Kofi. Bonsoir d'Angeles. Bonsoir Tia. Comment allez-vous ce soir? Je vais bien. Bonsoir la famille. Oui, bonsoir Delphine, ça va bien. La douleur Delphine Noir, oui, très je suis bien. Là, hein. Merci. Super. C'est ton heure. Allez Tia, on va regarder ce palmarès de cette équipe de Lyon, version féminine, bien sûr, leur surnom, les Fenotes, date de création 2004, acquisition de l'équipe du FC Lyon. Président Jean-Michel Aulas, entraîneur actuel Jean-Luc Vasseur, c'est une affaire de gens. Et puis au niveau de la Ligue des Champions, 6 victorieuses en 2011, 2012, 2016, 2017, 2018, 2019, finalistes en 2010 et 2013. Elles sont fortes. Eh oui, eh oui. Alors, à votre avis, sur quoi repose le succès hein, de cette équipe de l'Olympique lyonnais chez les femmes? Ah oui, je parlerai de sérieux. Parce que quand on voit déjà la vision du président Jean-Michel Aulas, on sait d'où il est parti. Le football européen était dominé tout simplement par l'Europe du Nord. Et du côté de l'Europe de l'Ouest, c'était les clubs allemands qui, avec cette prédominance, et ensuite Jean-Michel Aulas a flairé le bon coup au niveau de la France en rachetant cette formation d'FC Lyon, en inculquant, je voulais dire inoculer, c'est le verbe que je voulais utiliser, énormément de fonds pour permettre à cette équipe-là de pouvoir recruter les meilleures joueuses de la place. Et on voit ce que cela donne aujourd'hui avec cette structuration mise tout autour de cette équipe de l'Olympique lyonnais. Alors, est-ce qu'on doit dire que Jean-Michel Aulas est un visionnaire? Effectivement, c'est un visionnaire parce que dans les années 2004, c'est en 2004 que ce club l'a vu la naissance. En 2004, il n'y avait pas grand président de club qui misait véritablement sur le football féminin en Europe et précisément en France. Donc Jean-Michel Aulas a misé sur la formation. Il faudrait savoir que l'Olympique lyonnais est le premier centre de formation en France.
France. Et il a misé sur la formation, sur le sponsoring par des multinationales, on l'a dit tout à l'heure dans l'élément vidéo. Et il a misé aussi sur des recrutements clés. Il a misé sur, par exemple, des joueuses américaines. On a Megan Rapinoe, on a Ada Egerberg, qui sont les deux, les premières femmes ballon d'or mondial. Mm-hmm. Donc, pour moi, il a misé sur la formation, sur le sponsoring, mais surtout sur des recrutements clés. Ouais, surtout des coachs expérimentés. Jean-Luc Vasseur, actuellement, des coachs qui savent inculquer quelque chose en termes de tactique de jeu, en termes d'organisation tactique. Donc, c'est cela, organisation, surtout le choix de bons coachs. C'est cela. Mm-hmm. D'accord. Alors, qu'est-ce qui manque à ces clubs, hein, comme le Paris Saint-Germain, Manchester City, Arsenal ou encore le Barça, hein, pour rivaliser véritablement avec les Lyonnaises aujourd'hui? Non, je parle de l'histoire. Ce sont des formations, notamment, qui sont assez récentes. Hein. Jean-Michel Aulas, il s'est vraiment donné corps et âme pour le développement du football féminin. Ça, il faut le dire. Mm-hmm. Parce que déjà, quand on voit le budget de sa section féminine, c'est ahurissant pour une équipe de football. Voilà, un budget qui est chiffré à près de 8 millions d'euros. Comparativement aux autres clubs, c'est vraiment énorme. Mm-hmm. Et donc, il a beaucoup misé dans cette section. Cela a produit des résultats. Et avec le développement de ce football et la mise en valeur de la Ligue des champions féminines, les autres grandes formations européennes sont en train de s'intéresser à cela. Donc, je pense que dans quelques saisons, l'Olympique lyonnais n'aura plus cette forte domination. Parce qu'on voit par exemple le FC Barcelone qui monte en puissance, oui. Le PSG Germain qui monte en puissance, le Real Madrid qui vient d'acquérir une équipe de football. Je pense simplement qu'à l'avenir, il y aura beaucoup plus de difficultés pour les Lyonnaises, mais pour l'heure, franchement, ce n'est pas un titre qu'elles ont usurpé de se retrouver là. Mm-hmm. Alors, y a un club aussi qui monte en puissance, hein. Alors, mais si on vient chercher en Afrique, on vient fouiller en Côte d'Ivoire, les 11 sortes de Gagnois, pourquoi pas, avec leur capitaine, Charlène Doucourou. Moi, je pense qu'elles peuvent rivaliser avec ces Lyonnaises-là. Si je me trompe, arrêtez-moi, mais je ne vais pas me tromper aussi, parce que c'est vrai, c'est la réalité. Les 11 sœurs jouent tellement, tellement bien, mais elles n'ont pas la chance, elles n'ont pas aussi les moyens comme les Lyonnaises-là. Ouais, je dirais plus c'est un problème de moyens plutôt que de chance, hein, pour le coup. Ouais. Effectivement, ce n'est pas les mêmes moyens. C'est chance, pas les mêmes moyens, c'est un peu pareil. Hein. Absolument pas, non. Absolument pas. Ah oui. Non, d'accord. Alors, quel est l'apport ou l'importance d'une section féminine dans un club de foot professionnel? Pour qu'on comprenne bien. Bon, la diversité déjà, dire que c'est déjà un club multisport parce que le football féminin aujourd'hui est un secteur qui gagne du terrain. On a vu la dernière Coupe du Monde en France avec la victoire des États-Unis d'Amérique. Il y a eu une ferveur médiatique, il y a eu de l'engouement, donc c'est un football qui intéresse de plus en plus. Et ce qui fait, comme je l'ai dit, c'est la diversité, le fait donc de mettre en avant le genre féminin. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire qu'il y a un girl power de plus en plus dans certains secteurs et il faut s'inscrire donc dans cette lancée-là du girl power, tout simplement. Mm-hmm. Il faut noter simplement que le football féminin a une histoire au-delà du boom que nous voyons aujourd'hui du côté de l'Europe. Du côté des États-Unis, c'est un véritable phénomène. Voilà. Oui, d'ailleurs, voilà. Le soccer féminin est beaucoup plus important que le soccer masculin. Donc déjà, je pense que du côté de l'Europe, il y a eu cette volonté de copier un peu ce modèle américain pour le dupliquer en Europe et intéresser surtout la gente féminine à s'intéresser au football. Parce qu'il y a de cela quelques années, la gente féminine ne s'intéressait nullement au football. C'était un domaine qui était très lié au volet masculin. Et avec, disons, l'éclosion du football féminin, les femmes aujourd'hui s'intéressent à tout ce qui concerne le football. Donc, il y a une captation d'un nouveau genre je dirais pas de clients, mais de public pour permettre au football également de se développer. C'est une question de diversité et je trouve que c'est une très bonne chose. Mm-hmm. Bon, on va sortir du rang du sexisme pour dire que les femmes s'intéressent plus au football, etc. etc. C'est plus une question de rentabilité quand même, parce que plus on a un... Quand on a un club masculin et on a un club féminin, c'est clair que la rentabilité, elle est diversifiée par rapport, par exemple, aux gadgets. On vendra des gadgets masculins, on vendra aussi des gadgets féminins. Mais au-delà de cela aussi, il faudrait signifier que ces clubs-là pourront mieux ou plus gagner des prix. Par exemple, Lyon, en Ligue des Champions, s'est arrêté en demi-finale. Par contre, ces dames-là sont arrivées jusqu'en finale. Donc là, on a la possibilité d'avoir plus de prix, plus par la Ligue des Champions, d'autres prix. Donc pour moi, rentabilité financière, mais aussi avoir la possibilité de gagner d'autres prix. D'accord, oui. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens ne veulent pas s'intéresser au football féminin. Hein, parce que c'est tellement bien de regarder des dames jouer au foot. Mm-hmm. On avait une camarade au quartier comme ça. Là. Si un homme le dit, d'accord. Mais elle était tellement bien.
Moi, franchement, avant, je n'aimais pas, pour être plus sérieux, pour être vrai, je n'aimais pas trop voir les femmes jouer. Mais après, avec son talent, j'ai vu qu'il y a quelque chose derrière qu'on peut utiliser. Et moi, j'utilise ça très bien. Je vais créer ma compétition après. Voilà, je vais appeler des médias pour aller couvrir cette compétition parce que c'est une grosse compétition. Je suis sérieux, même si personne ne va me croire. Mais c'est au village. Mais on va commencer par le village d'abord parce que c'est là-bas que j'ai des moyens. Mais c'est important. Voilà, là-bas, on ne paye pas les trous, les gens. Voilà, on a mais vous avez bien raison. Voilà, là-bas, on donne des régimes de bananes et puis on a. Bon, merci, merci. Merci beaucoup. Allez, merci. Il marche bien. Il fonctionne très bien, mon micro. Bon, j'ai dit mon micro. Vous sifflez. Vous sifflez ce soir. Allez, on va marquer une première pause publicitaire hein, dans l'émission. On va dire au revoir à Jojo et Ballot qui vont laisser leur place à Roger Stéphane et Yves Boris. Hein. Ballot, vous nous rejoignez un petit peu plus tard. Tout à fait. D'accord. Ah oui, moi, je viens aussi. Et on parlera justement de la candidature de Sori Diabaté et Idriss Diallo à l'élection de la FIF. Donc, n'hésitez pas. Hein, je vous rappelle la question fil rouge. La délibération de la commission électorale est-elle juste selon vous? Eh bien, dites-moi ce que vous en pensez en allant sur la page Facebook de La 3. À tout de suite.